L'accident routier de Chicapa vient de nous révéler l'ampleur de la fraude en préparation par M. Kadima et son équipe. Que la criminelle entreprise de fiches d'identification et de cartes d'électeurs trouvées dans les véhicules d'un député soit élucidée par une commission d'enquête indépendante à mettre en place. Ba membre nyonso ya Union Sacrée, boni boni, ba oyo baza na ba kit na bandako na bango, bazo continuer kosala enrôlement. Nyonso oyo ezo la kisa polele polele que bandeko na biso bazali mal intentionné, bazo préparer ya solo soldo fraude électorale. Hold up Moussousou na 2023. Rien de sérieux n'a été préparé pour que Moutouya solo solo atia elikia na ye ape sa confiance na ye na oyo organisation oyo ezo kambama nandeko Kadima. Yangwana tozo exige que Sony na lombango lombango a organisé bokutani entre ba parties prenantes bakutana na lombango pona ko analyser ko tala malamu malamu makambo nyonso oyo ezalaki préparé de sorte que tokoka kobongisa hein kobongisa to se mettre d'accord pour que ba élection ezala impartiale, transparente et apaisée. Chaque jour qui passe révèle que le processus électoral conduit par la CENI sous la direction de M. Kadima est une vaste escroquerie. Le processus est totalement discrédité. La CENI n'a pas publié les cartographies de centres d'enrôlement des aires opérationnelles 2 et 3. Nous demandons à la CENI de donner le nom de l'imprimerie chargée de fournir les cartes d'électeurs ainsi que la quantité commandée et livrée à la CENI. Nous demandons à la CENI de faire toute la lumière sur les cas de politiciens qui louent des véhicules pour transporter les citoyens hors de leur lieu d'habitation pour se faire enrôler dans des bureaux fictifs. La Mouka demande à la CENI de mettre à la disposition du public la cartographie, adresse et nom de centres d'enrôlement des aires opérationnelles 2 et 3 comme elle l'a fait pour l'aire opérationnelle numéro 1. Oyo et Salamaki et Zongili Soussou, comme pour dire Bango baza na solution mon côté, Bango bazo bongisa et loko mon côté et la kisi intention na Bango ya kolinga ko bebisa opération ou processus électoral. De la Mouka, Coel, et je m'en vais remettre la parole au président Jean-Félix Senga, qui est aussi le président de la coordination des opérations électorales de la Mouka, Coel en cible, pour vous faire étalage de l'ensemble des opérations d'identification et enrôlement. Depuis le 24 décembre dernier, au début des opérations, jusqu'à la fin de la première ère, début de la deuxième ère et troisième ère opérationnelle. Donc, je vous invite à suivre le président Jean-Félix Senga, à qui je donne la parole. Chaque jour qui passe révèle que le processus électoral conduit par la CENI sous la direction de M. Kadima est une vaste escroquerie. Au regard des incidents dénombrés tout au long de ce processus, il en ressort un seul constat. Le processus est totalement discrédité. En effet, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les aires opérationnelles 2 et 3 connaissent le même tard que celle identifiée dans l'aire opérationnelle numéro 1. On constate notamment la lenteur et l'incompétence des agents chargés de l'enrôlement, les pannes répétées de machines, les difficultés d'alimentation en énergie électrique, le marchandage
de cartes d'électeurs, le nombre insuffisant de centres d'enrôlement et de kits dans certaines provinces, les longues distances à parcourir pour rejoindre les centres d'enrôlement, les intimidations que subissent la population par les agents de la CENI et ceux de la police. De plus, la CENI n'a pas publié les cartographies de centres d'enrôlement des aires opérationnelles 2 et 3. Dans l'aire opérationnelle numéro 1, notamment dans la ville de Kinshasa, nous avons répertorié des centres fictifs, des centres cartographiés, mais non opérationnels depuis le début de l'opération, des centres fonctionnant sur des adresses autres que celles indiquées par la CENI, des centres sans agents de la police nationale et des centres qui ont fermé avant même la date prévue de clôture des opérations dans l'aire numéro 1. Mesdames et messieurs, il est inconcevable que le problème vécu dans l'aire opérationnelle numéro 1 se reproduise avec autant d'acuité dans les aires opérationnelles 2 et 3. Cerise sur le gâteau, le malheureux accident routier de Tchikapa vient de nous révéler l'ampleur de la fraude en préparation par M. Kadima et son équipe. La question est celle-ci. Combien d'autres parlementaires et membres de l'Union sacrée sont en possession de documents de la CENI, comme le député qui a été pris la main dans le sac? Nous exigeons, toute affaire cessante, que la criminelle entreprise de fiches d'identification et de cartes d'électeurs trouvées dans les véhicules d'un député soit élucidée par une commission d'enquête indépendante à mettre en place. Le communiqué de la CENI du 22 février courant n'est pas convaincant. Comme si cela n'était pas suffisant, il est toujours prouvé que des Congolais vivant à l'étranger peuvent se procurer à distance des cartes d'électeurs en envoyant une simple photo via WhatsApp et une somme d'argent. Ceci démontre à suffisance la légèreté et l'irresponsabilité avec laquelle ce processus est conduit. À ce sujet, nous demandons à la CENI de donner le nom de l'imprimerie chargée de fournir les cartes d'électeurs, ainsi que la quantité commandée et livrée à la CENI. Nous demandons à la CENI de faire toute la lumière sur les cas de politiciens qui louent des véhicules pour transporter les citoyens hors de leur lieu d'habitation pour se faire enrôler dans des bureaux fictifs. Ceci expliquant sûrement cela, l'on comprend maintenant pourquoi certains compatriotes affirment ouvertement qu'à chaque membre de la CENI, il a été attribué un quota de députés à nommer. Au vu de ce constat honteux, en rapport avec l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, il est clair que personne de sensé ne peut encore accorder le moindre crédit à ce que fait la CENI et douter des affirmations de la Mouka que M. Kadima et la CENI sont en train de préparer l'implosion du pays à travers un nouveau hold-up électoral. Car plus le temps passe, plus on se rend compte des dégâts que la CENI veut causer au pays. Pour nous, il est hors de question de laisser des personnes sans foi ni loi solder notre pays qui fait déjà face à de nombreux défis, notamment sécuritaires, défis amplifiés par la CENI de M. Nanga et Basengezi avec la fabrication des résultats lors des élections de 2018. Et l'aveu de M. Nanga repris dans l'interview qu'il a accordé
au magazine Jeune Afrique vient de confirmer sa forfaiture. De ce fait, nous exigeons du procureur général près la Cour de cassation, maître de l'action publique, de procéder à son arrestation immédiate. Par ailleurs, la MUCA demande à la CENI de mettre à la disposition du public la cartographie, adresse et nom de centres d'enrôlement des aires opérationnelles 2 et 3, comme elle l'a fait pour l'aire opérationnelle numéro 1. Ceci nous permettra de poursuivre correctement le monitoring des opérations en cours. Nous demandons une fois de plus à la CENI de publier le cahier de charges sur base duquel la société sud-coréenne Miru System a gagné le marché des kits électoraux. Nous demandons aussi à l'ambassade de la République de Corée du Sud d'exiger de la société Miru System la publication du contrat qu'elle a signé avec la CENI et de dénoncer tous les possibles actes de corruption. Nous exigeons enfin une réunion urgente entre la CENI et les parties prenantes pour analyser dans le détail tous les contours de problèmes auxquels fait face la CENI en vue des élections transparentes, impartiales et apaisées. Mesdames et messieurs, il n'est pas utile de rappeler ici que 26 millions de Congolais auront besoin de l'aide humanitaire cette année, mais les organisations humanitaires ne trouvent pas de donneurs. 6 millions de Congolais ont été chassés de leur lieu de résidence et ils sont en errance dans leur propre pays. Plus de 5 millions d'enfants âgés de moins de 5 ans souffrent de la malnutrition aiguë. Les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont en proie à des violences inouïes causées particulièrement par le Rwanda et l'Ouganda. La corruption bat son plein dans notre pays devenu celui des antivaleurs. Tout cela résulte du manque de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Pendant que les Congolais veulent des élections transparentes, impartiales et apaisées pour doter le pays des institutions légitimes, M. Kadima et ses complices cherchent à enfoncer le pays dans l'abîme. Notre devoir commun est de les arrêter dans la réalisation de ce projet macabre. Processus Oyo Ndeko Kadima Azokamba Ezali Ya Solo Solo Ezali Penza Penza Escroquerie Ezali Penza Penza Kimoyibi Oyo Ezobongisama. Dans le totali, ba makambo nyonso lekaki na processus oyo na première ère opérationnelle, c'est-à-dire Kinshasa na ba province nyonso oyo à Congo central, le Grand Bandundu nyonso wana, tomoni que bambeba nyonso oyo salamaki na ba province wana, bambeba nyonso wana ezongi lisusu ezongaki na deuxième ère opérationnelle, et zongi pe lisusu na troisième ère opérationnelle. Et lingi koloba que Kadima na bandeko na ye oyo bazo sala bazo kamba CENI bazwaki mesure ata moko te, babongisaki eloko moko te, ba réparer ba machine te, ba sali ba augmenter ba nombre de kits électoraux te, ba rapprocher ba centre d'enrôlement te, ba sali eloko moko te, c'est-à-dire oyo esalamaki ezongi lisusu, comme pour dire bango baza na solution moko te, bango bazo bongisa eloko moko te, et la kisi intention na bango ya kolinga ko bebisa opération ou processus électoral. Tolobi tokoki ko comprendre te ndenge nini ba problème nyonso oyo ezo se to vivaki na première ère opérationnelle ezongi na deuxième na troisième, et
kuna tobanda koloba ndenge babongisaki ezali na batu oyo bazo frauder bazo sala ba enrôlement na kikuku elingi koloba ba machine ebimaki tango tolobaki yango balobaki non ezali ya solote lelo zamba bongisi ete accident moko esalema na nzela ya Tshikapa wana tomoni ke député moko azalaki na bakit na bakarte azo sala ba enrôlement na ye alors tozo mituna boni boni ba parlementaire c'est-à-dire ba député na ba sénateur ba membre nyonso ya union sacrée boni boni ba oyo baza na ba kit na bandako na bango bazo continuer ko sala enrôlement nyonso oyo ezo la kisa polele polele que bandeko na biso bazali mal intentionné bazo préparer ya solo soldo fraude électorale hold up mususu na 2023 tolobi tomoni na poto eza secrété bino pe bomonaki na bilili bandeko ya poto bazo se déplacer te pour okende ko s'enroler bazo tinda ka ba photo na travers WhatsApp batindi photo et puis ba pesi pe mbongo ba enroler bango basali ba carte d'ailleurs bomonaki oyo bandeko mususu ba oti ko prouver na poto noir sur blanc na ko pesaka 5 dollars mutu moko a s'enroler na ba centre bisika ebele et ba pesier ba carte ebele bozo mona que rien de sérieux n'a été préparé pour que mutu ya solo solo atia elikia na ye a pesa confiance na ye na oyo organisation oyo ezo kambama na ndeko kadima tolobi ndeko nanga na basengezi na époque na bango basala ki fabrika ba fabrika ki ba résultat mais oyo zo se préparer les lots ezali pire ko yesala maki d'ailleurs les lots soki oyebisi mutu nanga fabrika ki ba résultat batu ba oyo babanda kolinga kowanga na pour le plaisir de le faire les lots bazui bango moko preuve à partir ya interview oyo monsieur nanga aoti kosala na jeune afrique ye moko polele polele alobi boyokani ezalaka pona ba tosala passation de pouvoir oyo donc mutu oyo akoki kowanga na yango eza lisusu te kambi ye meme azolinga kojustifie ke ezalaki mpona bain de sang ekule te ntina ya élection ezali ete peuple a se choisir ba oyo bakokamba ye na ba institution légitime nde ekoki kozala ba institution ya solo solo oyo ekoki kozala moboko ya kosala développement na mboka oyo malheureusement tomoni ke nanga basalaki likambo mosusu donc tosengi na seni apesa biso cahier de charge oyo apesaki société sud-coréenne Omiru System apesa biso cahier de charge oyo epermetaki ye a gagner marché tosengi ambassadeur ya Corée du Sud a mikotisa na likambo wana po totala batala malamu malamu contrat oyo esinyamaka entre CNI na Miru Système batala soki corruption ezalaki te yango wana tozo exiger que CNI na lombango lombango a organisé bokutani entre ba partie prenante na ba élection partie prenante nyonso na partie prenante wana tozomona entre autres Union Sacrée FCC Lamuka société civile et que sais-je encore bakutana na lombangu pona ko analyser ko tala malamu malamu makambo nyonso oyo ezalaki préparé de sorte que tokoka kobongisa hein kobongisa to se mettre d'accord pour que ba élection ezala impartiale transparente et apaisée nde oyo tozo senga tolobi tolingi to rappeler te que na mboka oyo au moins 26 millions ya ba congolais bazana bosenga ya aide humanitaire
boyebi pona nini likolo ya ba bitumba kuna na est likolo ya ba déplacé likolo ya bana contenir ba situation mabe bana ebele ba beli kwa chokor maladi baza besoin na intervention voilà ba organisation humanitaire ezokoka ko trouver ba donateur te mais entre temps na mboka bazo dilapide mbongo ndenge ba moni yango wana tolobi na mokuse que to se rendre lisusu compte que na air opérationnel numéro 2 na numéro 3 bokomona na ba centre mususu ba policier bazate ba centre mususu même batu bazo subir menace ya ba policier bazo exiger bango mbongo pa bazwa ba carte d'électeur na mokuse nde oyo tolingaki to sala lokola révélation to apporter yango na communauté tant nationale qu'internationale ba mbeba nyonso oyo seni azo préparer donc tozo mona que seni ni de près ni de loin azali mal intentionné azana souci ata mokote ya kosala ete makambo ele kanakimia azo préparer chaos azo préparer bitumba azo préparer kotia mboka na mobulu biso tolobi esengeli to arrêter bango pour que babema mboka na esika wana te merci point de presse de la coordination des opérations électorales de la Mouka courait en cycle j'ai pris donc au bureau de la COEL de la salle.